J'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super. On se retrouve aujourd'hui avec de la boulie, bon elle viendra après parce que c'est barré. Pour c'est un unboxing haul parce qu'il y a des trucs que j'ai commandé un peu partout et il y a d'autres trucs qui viennent de Carrefour. Donc on va commencer avec. Bon j'ai pris un carton de je sais plus où mais bon je l'ai pris pour stocker. J'ai voulu tester le site La Tourterelle des Bois, donc j'ai pris 3 groins de cochon comme ça, ils étaient à 60 centimes, du coup j'ai voulu tester parce qu'ils sont à 1 euro et quelques à Guéridon, donc ça fait quand même une différence. Hein. Sur un c'est 40 centimes, mais si on en prend plus. Donc voilà, ça, elle adore, c'est naturel, c'est sain, bon, c'est un peu plus gras, mais bon. À donner une fois de temps en temps, voilà, ça fait pas de mal et ça permet de mâcher. Non, tu ne manges pas ça maintenant, non. Non. Donc voilà, ça, j'en ai pris 3, je vais pas vous montrer 3, ça sert à rien, mais bon. J'ai aussi repris des pâtés de la marque Mims, ça, je suis ultra refaite parce que sur Animalist, ça. Les pâtés Mims, bon, j'avais trouvé une marque qui faisait un emballage similaire, c'est des pâtés en petites bouchées émincées en sauce. Elle avait adoré, donc je l'ai repris de la marque Mims. J'étais assez contente là. J'en avais trouvé avant à Action, ils ne les font malheureusement plus. Donc j'ai pris la version light à la dinde. J'ai pris la version saumon légumes et porc légumes. Voilà, donc j'ai pris les trois en même temps. Donc voilà, hop. Porc légumes, c'est ibérico, mais c'est du jambon, hein, c'est du porc. Et puis c'est accompagné de légumes. Et la version à la dinde est light. J'avais voulu la faire tester à Gaïa, la chienne de mes amis. Ensuite, de chez Tourterelle des Bois aussi, une super petite couronne pendentif pour mettre à son collier que j'ai montré dans le dernier haul, le collier que j'ai pris chez Kaelo. Comme elle n'a pas de médaillon ni de clochette, je lui ai pris ça. J'ai pris rose et le prochain coup je prendrai la bleue parce qu'elles sont super sympas. Ensuite, de chez Carrefour, hein, je suis aussi allée passer chez Carrefour pour mes courses à moi, du coup j'ai pris une pâtée comme ça de la marque Compagno et c'est au poulet. Poulet, il y a de la dinde aussi dedans, je crois. Et on sait 1,2 kg et c'est des morceaux. C'est de la terrine, mais c'est des gros bouts de viande mis en bloc. Et ça, ma mère l'avait acheté pour Lilith. Et comme Lilith, elle n'avait pas supporté, j'avais donné. Ma mère l'avait offert à Gizmo. Donc voilà, ça au moins. Comme elle avait aimé, je l'en ai repris. De chez Tourterelle des Bois, bon là, j'étais un peu déçue parce qu'il y avait marqué que snack. Alors, moi, je pensais que c'était des pots de graines au miel ou des biscuits. En fait, c'est des barres. Bon, ça. Ils les mangeront, mais je les trouve moins chers à Action, donc je leur donnerai, mais je leur recommanderai pas. C'est des barres, je les ai à 1 € les deux à Action, là j'ai payé plus cher. Mais bon, et c'est de la marque DN Snack Canary, c'est des bâtonnets aux graines. Ensuite, de chez Carrefour toujours, j'ai pris un petit paquet de croquettes de la marque Crave, et c'est au poulet à la dinde sans céréales. Ça, c'est une marque que je connais pas, la marque Crave. Donc voilà, j'ai voulu tester, on va les voir. Bon là, je vais pas les donner maintenant parce que il m'en reste au saumon, elles sont comme ça. Je vais y faire goûter, je sais pas, tu veux? Tiens, montre-toi mon petit cœur. On te voit bien? Oui, tiens, oui. Donc c'est paquet refermable, c'est bien parce que là du coup, je vais pas les donner maintenant. Alors du coup, hier, on est allé faire une grosse balade en plus, du coup là au moins, elle est bien calme. Hier, on a fait 2 h 30 de balade, elle était crevée après. Oui, bonjour, oui. Donc voilà, petite friandise. Ensuite, nous avons. Bon, ceux-là, ils sont ouverts parce que du coup, j'ai dû refaire la prise. Pareil, il y a eu un bug. De chez Trixie, j'ai commandé ça sur le site Oberdog. Je vous ai fait une commande fractionnée parce que je vais vous faire un haul un peu fast-food, mais je n'ai pas encore fait, je n'ai pas eu le temps. C'est des dents à wrap. Bon, ça, j'ai vu comment c'était à l'intérieur, la texture. Malheureusement, elle ne le mange pas parce qu'elle n'arrive pas à les mâcher, ceux-là. Donc, mais c'est pas grave, je les donnerai à Roméo. Donc ça se prend comme ça, c'est de la peau enroulée. Et ça, elle n'arrive pas. Elle n'arrive pas, elle a du mal. Donc voilà, mais c'est pas grave, ça fera le bonheur de Roméo. Nous, on jette pas. Et si Roméo ne le mange pas, j'ai l'ami de ma mère qui a plein d'animaux. Eux, ils s'en occuperont sans problème. Donc voilà, je vais pas le refermer puisque ça va être mangé rapidement. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Ensuite, j'ai voulu tester les barquettes de chez Animalist Nature. Donc je vous les montrer. Donc, il y a, c'est des 150 grammes, il y a poulet veau, bœuf veau et dinde bœuf, je crois, ou je sais plus qu'est-ce que j'avais pris, j'en ai pris plusieurs. Poulet dinde ou tout des trucs comme ça, c'est des pâtés comme ça en barquette, ça je m'en sers pour le dimanche ou des fois dans la semaine, je fais des repas que pâté. Donc, je lui donne ça, ça lui fait un repas et puis elle est contente. C'est sans céréales, enfin sans céréales, c'est assez naturel comme pâté et c'est pas mal, elle aime bien. Ensuite, de chez Carrefour, hop, de la marque Vita Craft, il me semble. Non, Crabe aussi.
C'est des petites bâtonnets à mâcher en peau de bœuf. Pareil, ça, je vais pas lui donner maintenant parce que sinon la vidéo va durer 6 mois. Donc voilà, des petits bâtonnets. Je sais pas si vous allez bien les voir. C'est des petits bâtonnets d'os blanc, c'est tout simple. Hein. Je vais pas l'ouvrir parce que j'en ai encore, mais donc voilà, j'en ai repris parce qu'ils étaient pas chers. Et parce qu'au rythme où elle me les dégomme, voilà. J'ai recraqué pareil à Carrefour. Je suis tombée sur ça. J'ai trouvé ça trop beau. De chez Veto Canis pour détartrer les dents. C'est une brosse à dents et un dentifrice pour chien à mâcher. Donc ça, j'ai trouvé ça ultra mignon. C'est vrai que moi, question marketing et image du produit, je me fais tout le temps avoir. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hein. Voilà, c'est des trucs que je donne une fois de temps en temps. C'est quand même pas donné. Il n'y avait que deux à l'intérieur. Mais bon, je trouve ça trop mignon. Petite brosse à dents. Franchement, bon, la brosse à dents, elle est pas très réaliste, mais le dentifrice, il est super beau. Avec le petit bouchon rainuré et tout, le petit tube là, trop mignon. Franchement, ça, pépite. Ça, elle en avait déjà eu des versions plus petites de ce style-là, de chez Action, on avait pu retrouver. Et elle avait bien aimé, donc voilà. Petite friandise Vetocanis. Vetocanis, c'est une bonne marque pour tout ce qui est hygiène dentaire. Hein. Moi, je me sers quasiment que de ça pour ses produits dentaires. Ensuite, de chez Animalis, on a des petites saucisses Lily's Kitchen au porc et à la pomme. Donc ça, les mini saucisses, pareil, c'est un truc à kiff. Donc je lui en prends régulièrement à différentes saveurs. Elle en a au poulet, à l'agneau, au porc. Dès que j'en trouve, je lui en prends. Et celles-là sont sans céréales. Elles sont comme ça, elles sont un peu plus molles. Et on dirait vraiment des petits saucissons. Oui, tu le vois ? Tu le veux ? Attendez, excusez-moi. Mon chien m'a attaqué. Il est où ? Cherche-le. Ah, il est là. Excusez-moi, ça lui fait un bruit pas agréable dans le micro. Donc, petite saucisse, on va lui donner. Tu veux ? Bon, elle est descendue parce qu'elle n'aime pas manger sur moi. En plus, là, elle est pas installée. Mais elle est en train de le dégommer. Bon, petit truc pas moins sympa, c'est qu'il y en a très peu dans le paquet. Mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas méchant, ça, c'est pas bien grave. Et donc, de la marque Vitacraft, on a deux petits beef sticks. Donc, un, c'est bœuf normal et l'autre, c'est bœuf d'Inde. Ça, je ne vais pas les ouvrir parce que je ne donne pas ça actuellement. Je les garde pour quand on part en vacances. C'est emballé individuellement. Ça ne faut pas les mettre partout dans les sacs quand on part en rando. Donc voilà, ça, voilà, je ne vais pas les faire goûter maintenant. En plus, elle en a encore plein d'ouverts, enfin des paquets entamés. Donc voilà, petit stick. Ça, c'est un truc qu'elle aime bien aussi. Donc, puis si je donne tout, elle va être malade. Mais bon, voilà, ça, c'est un truc qu'elle aime bien. Toujours de chez Animalist. Donc nous avons. Enfin, c'est la marque Animalist, mais je l'ai commandé sur Rubber Dog. C'est pour ça que j'ai trouvé ça un peu chelou. C'est des friandises au poisson et au canard. Des aiguillettes. Ça, je sais pas si... Avant, elle en mangeait pas mal. Maintenant, je sais pas. On va voir. Si elle... Oups. Oh, punaise. J'ai la crotte dans les mains. C'est pas possible. Attends, mon cœur. Attends, mon bébé d'amour. Attends. Oui. Oui, attends. Attends. Petites aiguillettes comme ça. Voilà. On va donner qu'un petit bout. Et ça a l'air d'être de la bonne viande. Enfin, c'est pas des trucs... Où il y a 10% de viande et 90% de je ne sais pas quoi d'autre dedans. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Petite friandise. Il reste trois produits. Alors, il nous reste celui-là. Donc c'est un protein chou de la marque Crave aussi. La marque Crave. C'est un Dentastix protéiné à mâcher. Ça pareil, comme le celui de la semaine dernière, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai. Donc ça ne sert à rien d'ouvrir 15 000 produits pour que ça sèche. Puis elle en a pas mangé assez. Des protéines de poulet, des chicken flags de chez Overdog aussi. Ça, elle est pareil. Les filets de poulet, elle adore ça. Donc, je vais voir comment ils sont. Mais sinon, je prendrai ceux de Lidl qui sont quand même moins chers. Parce que c'est quand même moins cool d'en avoir. Mais ils ont l'air pas mal, ceux-là aussi. Oui, ils ressemblent un peu à ceux de Lidl. Ils ont l'air un peu plus durs. Donc, peut-être que, oui, on va tester. Tu veux ? Si j'arrive à en choper un bout, parce que c'est pas gagné. Voilà, hop. Parce que si je file en entier, elle va être malade. On a mangé déjà plein hier parce que même si on n'avait pas obéissance, j'ai fait travailler dehors en plein air. Donc elle a eu plein de friandises. Donc là aujourd'hui, on va y aller mollo. Parce que sinon, cacamou, un petit tout. Donc voilà, bon, il n'y en a pas beaucoup dedans, mais ils n'ont pas l'air mal. Donc on va tester. On va tester ça. Et donc le dernier produit, ce sont des chicken rings de chez Overdog. Et c'est la marque Trixie aussi, il me semble. C'est. Ah non, Bulimex. Oui, mec, j'ai le soleil dans les yeux, je ne vois strictement rien. Big Max. Bon, là, par contre, c'est moins bien parce que c'est pas refermable. Donc, bof, bof. C'est des petits anneaux de poulet, comme ça. C'est assez mignon, c'est des filets de poulet. C'est assez cool. Pourquoi pas pour, j'avais acheté ça pour le mettre sur son jouet.
Ça lui allait mieux le faire avec les friandises en forme d'anneau, donc du coup, on va tester, on verra bien. Tu veux goûter ça? Ça, tu peux, c'est tout petit. Ouais. Bon, par contre, moins bien, c'est pas refermable ça, donc ça va se foutre partout dans mon carton. Mais bon, j'espère que, en tout cas, elle, tout lui a plu. J'espère que la vidéo vous aura plu et ciao tout le monde!